Ah, c'est cool, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce qu'il est lourd ce MP4-302 là? Bon, qu'est-ce que je fais? Je lui tire dessus ou je fais semblant de pas l'avoir vu? Quelques commentaires sur les Amics. Dans cette zone de la savane vivent les Amics appelés chasseurs. Nos lointains ancêtres, après être enfin descendus de leurs arbres, ont longuement évolué dans la savane. Que seraient-ils devenus s'ils étaient restés dans la savane? Avaient jeté les outils qu'ils avaient utilisés? Et étaient redevenus quadrupèdes? C'est ce que nous avons essayé d'imaginer en créant le chasseur. Afin de pouvoir parcourir rapidement la vaste savane, leurs mains se sont développées en pied. Mais je t'en prie. Et leur grande intelligence leur a permis de former une société bien organisée. Ils se sont aussi alors imposés comme des chasseurs hors pair, possédant une haute technique de chasse collective. Ce sont des espèces de chevaux qui nous ont attaqués sur la route. Et dans le genre à gauche, à ma droite, là, hein. Là, c'est un vaste paysage désertique. Avec une vitre cassée. Attends, je vais te bousiller la tête, toi, tu vas voir. Mais doucement. Ah, bah, mais zut. Évidemment. Hein. Je m'appelle Kamel. Je suis Kamel. Ah, ouh, bonjour. Tiens, on m'a vu en cours. Oh, yeah, yeah, yeah. Y'a que moi qui ai le droit. M'a bousillé. Laisse moi le bousillé. Il m'a bousillé la tête. Ah, ouh. Tiens, ça t'apprendra. Tiens. Ah, mais tu m'as fait mal. Ouh. Ah, ah, j'ai mal. Eh, t'as bien fait. Ah non, bip, 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 bip. Ah, bip, 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 bip. Bon, alors faut que j'utilise des trucs. C'est pratique ces trucs. Ça faudra que j'utilise plus souvent. Par contre, ça me coûte cher en mon PowerPoint. C'est une épaisse forêt tropicale. Alors que c'est un désert derrière, ça fait bizarre. Ouais, c'est étrange. Tombe. C'est le tombeau qu'on voyait depuis la caméra à gauche. Ok. Et comme ça, après, je vous appellerai. Navarro, voilà. Navarro, pour contre. Non, ça marche pas. Je disais, donc Navarro, le dernier épisode. Bon, fais chier, je vais aller voir hier si j'y suis. Ouais, ça, on est tout à fait d'accord avec toi, fais chier. Je sais que tu vois une forte poitrine, moi. Elle est tout à fait dans la norme, ma poitrine et moi. Oh, voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des hiéroglyphes gravés. Elles sont entourées de couleurs différentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le saurez après la page de publicité. Ouais, le poisson, le truc, la croix. Ok, je m'en souviendrai. Ah, c'est quoi ça? C'est vivant en plus. C'est aussi un amic. Un amic, ah ouais, d'accord. Il n'y a même pas de pouvoir pour bouger. Il sent une quantité incroyable de néo-mécochondries dans lui. Elles sont en effervescence. Et elles produisent de l'électricité. Je vais le niquer. Ouais, cool. Ça sent bon la végétation. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Merde! Allô? Je suis gouré. Mais je papillonne. Tu crois que je papillonne? Aïe! C'est qu'elle meurt, la papillonne. Tu vas voir. Je suis une. Tu me fais rire. Tu me fais rire. Je papillonne, regarde. Je suis un kangourou allié avec une autruche. Et avec un caméléon. Eh, hey, tu veux jouer à quoi là? Tu veux me donner le tournis? Je vais te faire tourner en bourrique. Tu vas me faire en pause pendant que je sautais? Ouais. C'est pas bien. T'as une régénération dedans. Aïe! Tiens! C'est qui fait mal en plus, cette saloperie. Mais tu veux pas que je te donne de l'énergie non plus? Tiens! Ça prendra. Hey, t'es bienvenu dans la forêt, à ma troisième frangin. Glou glou glou. Glou glou glou. Oh tiens, ça c'est un super coup de pied retourné. Tiens, ça c'est super lame de rasoir.
Attends, tiens. Je suis pas capable de faire la même tiens, chose encore si. Une fois. Attends. Youhou ah, dans la flotte, ah, ouais, c'est toute mouillée. Oh, toi. Aïe. Tiens. T'arrêtes de me transpercer de passer à travers. Oriente. Tiens, tiens, cette bête. Là, quand je t'ai bousillé, je t'ai fusillé, je t'ai cramé, là. Ah, voilà Tlaloc. Bonjour, monsieur Tlaloc. Bonjour. Qu'est-ce qu'il veut, monsieur Tlaloc? C'est une statue de style aztèque. Ah, c'est les pastèques qui vivent ici. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'autres créatures, là. Remarque, je suis chaude, là. Eh ben, ça tombe bien, moi aussi. Yeah. Alors, viens me faire des là, choses. Viens me faire des choses. Allez, viens. Vous plaît. Elle est où? T'es une créature trop dure. Ah! Attends, je me relève. Tiens. Ah! Attends, je me relève. Oh! Attends. Combien de fois pour que tu crèves? Bah, une fois. T'es où? Youhou! Caché. Encore un? Hey, par contre, j'amuse bien là. Hey, moi je peux pas m'amuser aussi. J'approche. Tiens. Et puis, trop tard. Hein? Moi j'ai pas tout. Ah, tu mais... Oui. Bon, c'est pour la photo. Elle est où la blonde? Elle est là, la blonde. Tiens, moi, si bonjour madame. Papier du véhicule. Il y en a pas. T'enfumes toi-même, c'est pas malin, toi. Oh là là, une envie, un délice. Je vais m'occuper de toi maintenant, tu vas voir. C'est faux, tu as fait une erreur. Tiens. Tu as fait une erreur, c'est en le laissant allumer que je ne régénère pas mes trucs. Si tu l'éteins, je me régénère. On va voir ça tout de suite. Je vais me régénérer, là. Ça va pas attendre une seconde. Voilà, tu te régénères. J'ai mal à la tête. Oulala. Le champ de force a disparu. Elle est moche. Et je suis encore faiblement d'énergie provenir tout en bas. Ça doit être quelque chose de spécial, vraiment spécial. C'est moi, je me suis transformé en super guerrier. Un organisme pour goûter au bonheur, une machine pour échapper à la mort. C'était un être ambigu mêlant un peu de ces deux choses, peut-être. Une masse de désirs sous une couche d'hypocrisie. C'est si facile et si lâche de vivre sans rien faire et sans rien perdre, hein, n'est-ce pas, hein? Moi, je n'appelle pas ça vivre. J'appelle ça survivre. Ou je sais pas, moi, enfin bon. C'est pas vivant, en tout cas.